La parole est à monsieur Christophe Cavard. Cette année 2015 sera marquée par ces événements tragiques que nous avons connus en ce début de mois de janvier, le 7 janvier, avec les meurtres à Charlie Hebdo qui ont remis en cause la liberté d'expression. Et puis ces meurtres à l'hypercachère de Vincennes, où des gens ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Et ces policiers municipaux ou nationaux qui ont été tués parce qu'ils représentaient symboliquement la République. Mais en même temps, c'est aussi ce dimanche 11 janvier où des millions de gens sont descendus dans la rue pour dire leur solidarité avec celles et ceux qui avaient été meurtris par ces événements, pour dire qu'ils appartenaient tous à cette même République et à ses valeurs, et pour dire aussi qu'ils souhaitaient agir ensemble contre ces actes barbares. Et c'est pour moi cela, être Charlie. Cet élan du 11 janvier, avec ces millions de gens dans les rassemblements, c'est ce que je souhaite retenir pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Ces vœux ne doivent pas être simplement que des paroles, ils doivent s'inscrire dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Pour cela, je ne crois qu'à une seule méthode, construire ensemble des projets au-delà de nos différences pour défendre nos valeurs, des valeurs humanistes, des valeurs écologistes et bien sûr des valeurs de progrès social. Comment faire ? Je vous propose de partager la parole. Vous savez qu'il est important pour moi de partager cette parole depuis le début de mon mandat. Un certain nombre d'outils ont été mis en place pour cela. Je pense bien évidemment au site internet, aux réseaux sociaux, aux différentes réunions publiques. Mais bien évidemment, nous ne pouvons que nous améliorer et c'est pour cela que je souhaite vous lancer pour cette année 2015 et les années suivantes une web TV qui me permet d'ailleurs aujourd'hui de vous souhaiter cette bonne et heureuse année 2015. Cette Web TV sera utile pour les échanges d'informations entre mon travail de parlementaire et vous-même, mais bien évidemment aussi utile pour vous, pour que vous puissiez vous exprimer à travers les différentes thématiques, qu'il soit dans votre engagement associatif, professionnel, militant ou simple citoyen. Et donc cette Web TV, c'est un travail en commun qui nous permettra d'agir pour les mois et les années à venir. Je vous souhaite donc à nouveau une bonne et heureuse année 2015.